Bonjour YouTube, bienvenue pour l'épisode 8 de Pokémon Sword. On continue, nous étions sur la route 5. On venait de... on venait de terminer, évidemment. Attends, toi je t'ai déjà... Je vous ai déjà, les gars. On venait de terminer la première arène. Et voilà. Piqué YouTube qui offre un abonnement à Tony Fruoff. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci pour lui. Merci pour moi. Merci pour nous. Merci tout coup. Attends, viens. C'est bon, c'était celui que je voulais. C'est quoi ça? Quoi? Oh mon dieu, c'est incroyable! Oh, il est beau! Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est une pomme! Vert pomme, c'est un... Oh mon dieu, mais c'est incroyable. Alors ça, c'est un nouveau. Attends, je suis sûr il va être insecte, donc il faut que je fasse gaffe. Mais non! Oh, je l'aime d'amour. Ah oui, d'accord, très bien. J'adore. Je le veux dans mon équipe. Non! Non! C'est super, mais oui! Mais attends, comment étonnement ça fait ça de vie et l'autre... Oh, oh. Ah, c'est décidé. C'est fini. C'est fini. Je ne sors pas de cette route... sans un vert pomme. Je ne sors pas de cette route sans le vert pomme. J'annonce. Peut-être va-t-il tomber de l'arbre. Il va peut-être tomber de l'arbre. Le vert pomme. Non mais... C'est bon, je veux le vert pomme. Mais non, mais je... Je m'en fous des baies. Merci. C'est un rongourme. Il est rare, il me semble. Je ne sortirai pas de cet endroit. Alors, je ne sortirai pas de cet endroit sans mon verre pop. Et là, il y a les gens qui regardent le truc de YouTube, à mon avis, ils vont être là, oh seigneur, il va avancer en mode, est-ce qu'elle va l'avoir au bout d'un moment? Est-ce qu'on va vraiment avoir une heure d'épisode pour un fucking verre de terre? Mais il va rejoindre mon équipe. Il va clairement rejoindre mon équipe. Là, je suis convaincue. Je suis convaincue. Oui, bon, ça va. Du coup, on a quand même des baies. Ah! Mais non, mais... je ramassais les baies. Oui, mais moi, je suis à la recherche d'un verre pomme, mon gars. J'ai pas le temps pour toi, j'ai pas le temps! Eric, le cuisinier! Je cherche une pomme! Mais oui, justement! Justement, mon gars! Je le veux! Regarde-le, pour la peine, tiens, prends-toi ça. Il est rare. Il est méga rare. Oh seigneur. Alors. Je m'en fiche de tes baies. Je m'en fiche. Je veux mon verre pomme. Je veux. Il était par là. Là. Bon, ce sera pas forcément un verre pomme, mais... Non, je m'en fous de toi. Ah, quoique, je sais pas si je t'ai. Je crois que je t'ai pas. Mais j'ai un peu la flemme. Je crois que j'ai un peu... C'est pas grave s'il est rare. Non, c'est pas grave, je suis patiente. Je suis patiente, j'ai trouvé un des nouveaux Pokémon de mon équipe. Clairement. Ah bah d'accord. Je pense qu'on va changer de premier Pokémon parce que lui, il est en train de défoncer tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en premier? Normalement, lui, il fait moins mal. Alors, il sera forcément dans un de ces trucs-là, je pense. Mm-hmm. J'en ai déjà un. C'est la chasse au vert pomme. J'en veux. En plus, à mon avis, là, les évolutions, elles vont être incroyables. Elles vont être incroyables. Lui, j'ai toujours pas son évolution, d'ailleurs. Par contre, s'il évolue... je pense que vert pomme, on le remplacera lui. Je pense. Oh, au secours. Ça dépend, en fait, de... S'il évolue au niveau 22, je le remplacerai pas. C'est bon. Mais s'il évolue, genre si vous me dites qu'il évolue au niveau 39, la flemme. Je m'autorise le backseat pour ça. Il évolue Coléodome, j'en ai un.
Il évolue à quel niveau? Il évolue à quel niveau? Comment ça, cela échoue? Mais arrête avec ton... avec ta protection, là. Juste pour voir si je le garde dans mon équipe ou pas, mon Coléodome. 30? 30. Il est quoi? Il est 21. Oh, la flemme! Et Rongourmand? Je me permets de demander, du coup, parce que, du coup, Verpomme. Verpomme est plus important. Oh, toi, je t'ai pas. Toi, je t'ai pas, c'est mignon. 25, 26... Pour Rongourmand? Si c'est gris, je vais tenter de l'attraper. Niveau 24, Rongourmand? Ah, Rongourmand? On s'approche? Non. Toi, je peux te capturer. Faut que je rachète des Pokéballs en plus. Parce que là, si le Verpomme, je peux pas le capturer, ça va être terrible. Rongourmand 24. Ok. T'as les bonbons pour les XP vite, c'est jamais. C'est vrai! C'est vrai! Ce crush sur cette pomme, c'est trop pitié. Mais il est trop chou! Il est trop chou, je le veux! Ok. Bon, Rongourmand. Je pense que ça va être le plan. J'évolue Rongourmand. Et je le remplace par Verpomme. Parce que le... Mais niveau 30! Mais what the fuck! What the fuck? Rongourmand, il est quoi? Il est niveau 21? Ouais. En vrai... Je vais voir avec les... Ouais, vous avez raison, il y a des trucs pour les faire évoluer plus vite. Il y a des trucs pour faire évoluer plus vite. J'ai des XP. C'est vrai. Déjà, j'attends d'avoir le Verpomme. Déjà, on va choper le Verpomme, et après... Déjà, il faut que j'achète des Pokéballs aussi, parce que j'en ai plus beaucoup. Il y a eu une évolution. Non. Il n'y en a pas eu, c'est juste que je demande en fait parce que j'ai croisé un Pokémon sauvage et je suis tombée instant amoureuse. Et du coup, j'ai déjà le corbeau, le Voltoutou qui reste dans mon équipe. Le mouton, je suis pas encore sûre. Ça va dépendre de l'évolution et ça va dépendre des autres. Mais du coup, il faut qu'il y en ait un des autres. Oh. Oh. Ah d'accord. Comme j'ai battu une arène, j'ai plus de choix. Ah bah justement, c'était ça que je voulais. C'était ça que je voulais, c'est cher, mais bon, c'est la vie. Voilà. On va en prendre 10 au cas où de ça. Voilà. Une Honor Ball en cadeau. C'est gentil. Desmond, merci beaucoup à toi pour le sub. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est Démon ou Desmond? Je pense que c'est Desmond, parce que sinon t'aurais écrit Démon. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci. Alors... J'étais censée avancer dans ce jeu, mais... Alors, Culbuto qui est mal. Pas besoin. Non, je vais repartir en dessous. C'était en dessous que je l'avais vu. En plus, je vois qu'il y a de l'eau. Va falloir que je pêche 2-3 trucs pour être sûr qu'il n'y ait pas de l'eau elle-mère. Est-ce qu'il y a un truc? Là! Non! Essaye de vendre des choses pour avoir plus d'argent. C'est vrai. Oh non. Oh, chiant. Chiant. En fait, faut que je mette mon... Limite, je vais mettre mon oiseau et quand ce sera le Verpomme, je le change. Je pense que je vais faire ça. Parce que du coup, ce sera plus facile parce qu'il y a beaucoup de petites plantes par ici. Hop! Comment il s'appelle l'oiseau de ton équipe? Pour l'instant, il s'appelle Bleuzeille. C'est le niveau... Enfin, c'est le jeu qu'il a appelé comme ça. Mais... Attends, non. Je vais pas donner de surnom. Je donne pas de surnom en général. Juste le mouton que j'ai appelé Wilson. Parce que voilà. Wellmer? Attends, là, s'il y a un Wellmer, là, j'ai quasiment toute mon équipe, là. 6 Pokémon, c'est plus assez pour une équipe, il y en a trop maintenant. Mais de ouf! C'est trop ça! Vas-y. C'est vrai qu'il y a trop, il y en a trop. Il y a trop de Pokémon. Maintenant, il faut des équipes de 12. Hop!
Je vais pas me marier avec Verpomme, ce n'est qu'une pomme, mais je veux qu'il soit dans mon équipe. Il est beau. Ok, Rougourmand niveau 22, Sou niveau 24. Est-ce que... Bonjour. Oui. 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 Oh, je le veux. Alors, j'ai dit oui comme si c'était un shiny, tu vois, absolument pas. Mais je veux cette pomme. Équipe. Vol toutou. On va le paralyser. On va le paralyser et on va le capturer. Tadam ! Il est trop beau ! D'accord. Ouais, si ça augmente ta défense, fais ce que tu veux. De toute façon, moi, je vais juste... pas très efficace, très bien. Depuis quand l'électricité, c'est pas très efficace contre les insectes ? Bah yes ! Bon, au moins, il est paralysé. Alors ! Comment dire ? Oh, cette tête ! Je suis in love. Ouais, mais il va pas forcément être capturé direct. On va tenter la Super Bowl. On va tenter. Tadam ! Pourquoi les mettre dans le orange alors que vous pouvez les paralyser ? Le vert pomme ! Oui ! Le vert pomme, il est beau. Il est beau. Dragon ? Quoi ? Pardon ? Alors, en soi, non, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Il vit toujours dans sa pomme. S'il croise un Pokémon oiseau, son prédateur naturel, il se fait passer pour un simple fruit pour se protéger. C'est un dragon. C'est un dragon ? Oh Seigneur, il est beau. Je vais... Alors, parce que là... Oh, ça promet. Là, nous avons notre vert pomme. Va falloir qu'on fasse un truc là. C'est-à-dire que là... Pardon ? Je criais peut-être un peu fort. Mes voisins vont me tuer. Pardon ? What the fuck? Happy Nightmare vient d'offrir non pas 5, non pas 10, non pas 15, mais 20 subs! Bah yes! Bonjour Happy Nightmare, comment vas-tu aujourd'hui? Merci beaucoup! Merci, bonjour, enchanté, bienvenue à Lame, à Portevœux, à Sinzi, à Évangile, c'est beau, à Hilo the Sushi, Caris YouTube, Analou, Malo Stars, Howdy Sarah, Benelli Samin, Dark Moon Gacha, Wiza, Antimoustique, Lord Scrink, Shubi, Megami Psycho, Rizims, Frozen Galaxy Gacha, Minos, Thor et rouge. Ok. Bonjour de la part de la team silencieuse. Merci beaucoup, Happy Nightmare. Tellement de générosité. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Aux 20 nouvelles personnes. C'est beaucoup. Merci énormément. Merci. Beaucoup. J'ai pas les mots. À part juste de dire meilleure communauté. Meilleure communauté, très clairement, oui. Oui. Ah oui. Oui. Oui, effectivement. On va en utiliser... Hop. On va pas en utiliser trop, mais... En fait, mais c'est abusé ces trucs-là. Tadam ! Évolution de Rongourmand. Attention !
J'ai dit, quoi, Rangourmand évolue? Je ne connais, je me suis pas spoil sur le jeu, c'est pour ça que je suis aussi hype de voir les évolutions. Attention. Ce timing. Oh mon dieu, il est dégueulasse. Alors ça, ça dégage. Au secours! Il est vivant. Voilà. Bon, du coup. Mais qu'est-ce que je vous ai... C'est le ver pomme qui vous a inspiré, je suis sûre, c'est le ver pomme, il nous a tous inspirés. C'est le what? Give me a ver, give me a pomme, give me a ver pomme. Merci beaucoup, Mr. Shadow. Merci beaucoup, bienvenue. À Lou Panda Souls, à Frozen Alexandra, à Ethan, à Kimi Cutie, à La Louve, à Mélie, à Emma, à Princesse Ilana, Echo Space Time, à Monsieur Nawak. Merci beaucoup. Je vais vous enlever cet écran de... Je vais vous enlever cette horreur de l'écran. Arrête! Va-t'en! Seigneur. Ensuite, nous avons Happy Nightmare qui regift 20 abonnements à la chaîne. Bonjour, enchanté, bienvenue à Steel Cartoons. À Loriok, Mama la Pizza, Loubou, Liam Damons, Azalia, Parzival, Drexeof, Thiago, Matteo, Kenny, Best Lulu, Nina, Kaneki, Thomas et Iran, Mei Mei c'est moi, Natsumi, Cricri et Oronazo. Alors, faut que je redescende le chat, vous avez beaucoup parlé. Merci beaucoup. Merci. Attends, arrête d'apparaître. C'est quoi ça? Si ça t'amuse. Merci. On finira tout ça à la fin de Noël, ce sera la folie. Alors attends, parce que là on va voir ce que je fais pour Noël. Mais j'ai pas les mots pour tant de générosité. Il s'est passé trop de... Il y a eu trop de... trop de générosité d'un coup. Il y a eu trop de générosité d'un coup. Merci beaucoup, les gens. Merci beaucoup. Alors, cette horreur... ça va aller... Enfin non, c'est un Pokémon. Tous les Pokémon sont mignons. Il est motivé. Il est content. Mais non. Non. Oui! C'est un oui! Tu les mérites. Vous êtes trop mignons. Vous êtes trop gentils, merci beaucoup. Vous êtes trop gentils. Oh là 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 là! Oui! Oui. Son nom est... Il est trop mignon. Gloutonnery, si le Pokémon tient une baie à manger en cas de PV bas, il la mange dès qu'il a perdu la moitié de ses PV. Repli, étonnement. Ah, c'est tout ce qu'il connaît. Lâche. Superbe. Et bah du coup, nous avons notre ver pomme. Nous avons le ver pomme. Ce live est incroyable. Il y a un ver pomme. Il y a plein de sang. Regardez le nombre de... Merde, pardon. J'étais tellement motivée que regardez le... Non. Non. Laisse... Non. Je crois qu'il y a du délai. Tu as raté un don. J'ai raté un don. Ah oui. Tu étais entre les deux gift subs, effectivement. Du coup, j'ai loupé, je suis désolée.
Je suis désolée, merci Pika YouTube. Le Pokémon Vert-Pomme a évolué à sa forme de dragon Tartopop. Alors, je ne sais pas si... Je veux... Oh, franchement, celui-là, je veux absolument pas me spoil son évolution. Je sens que ça va être incroyable. Rien que le type dragon, il annonce du lourd. Mais qu'est-ce que ça peut être? Alors ça, c'est un culbut, ok. Je retente un dernier, si c'est encore un Magikarp, j'abandonne. Attends, et après on va aller sur le camping pour voir le Vert-Pomme de plus près. C'est encore un Magikarp. C'est encore. Ah non mais j'ai hâte. J'ai hâte de voir son évolution. Il ne partira pas de mon équipe. Ça a été pour l'instant le plus gros coup de cœur de ce jeu Pokémon. Ça a été pour celui-là. Pour l'instant. Alors. Et en vrai, s'il a pas évolué genre vers le niveau 40, je pense que je me renseignerai quand même. Parce que c'est vrai que... De base, je me spoil toujours un peu pour Pokémon, mais là, je sais pas, j'ai envie de découvrir full. Alors, bonjour, qui es-tu? Enchantée. Oh, on va refaire du curry! On va refaire du curry pour Vert-Pomme, ça va être incroyable. Alors. On va le mettre en premier. On va le mettre en premier, comme ça on va pouvoir lui faire du curry, ça va être incroyable. Oui, je suis beaucoup trop contente. Écoutez, il est beau, j'ai trouvé une pomme. José, bonjour José. Où est-il? Il est là. Il est là. Viens, viens plus, viens plus. Oh, bonjour. Il est content. Il s'ennuie. Attends, tu veux jouer? Bonjour. Attends, attends. Non, 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 viens, viens, viens. Viens. J'ai appelé Pokéball. J'ai cherché un Pokéball. Hey! Oh my god, s'il avance vraiment comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Va, va chercher la... Vert-Pomme. La... C'est de l'autre côté, Vert-Pomme. La Pokéball. Tu ne vas pas au... Alors, tu es mignon. Tu es mignon. Qui est très mignon. Mais je l'ai lancé pour Vert-Pomme. Attends, attends, on va la lancer à côté. Hop là! Oh! Il est motivé! Il est motivé, il y va! Tu peux le faire! On est tous avec toi! Non, c'est de l'autre côté! Vert-Pomme, qu'est-ce que... Bon. Nous allons faire du curry, parce que sinon... Oh, il est trop mignon en vrai, ok, ok. Il est trop mignon, c'est trop mignon, moi! Oui, tu vas chercher là, bye-bye. Mais je voulais pas... Je vais te faire du curry. Voir les ingrédients. Cuisiner. Cuisinons avec José. Seigneur. Alors. Qu'est-ce que je vais mettre? Ça. Ça. Je sais pas ce que ça fait, mais... on va mettre ça, et puis une comme ça. Voilà, on va dire que c'est bon. Il est mignon, mais il est con. Pas du tout. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Il est adorable. Bon, je sais toujours pas faire du curry, mais... Je crois avoir compris. Là, faut spammer. Là, j'ai l'impression qu'il faut spammer. Je spamme. Comme ça, ça brûle. Voilà, ça brûle. Oui, ça brûle. Toujours plus de chaleur. Toujours plus de chaleur. Oui. Oh, et là du coup, là faut qu'il y ait des étoiles, mais je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Faut que je mets... Oh, il y a des étoiles! Des étoiles! Je mélange! Des étoiles! Oui! Oui! Oui, 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 ça brille! Le curry brille! J'aime quand mon curry... Mon curry brille, j'arrive plus à parler! La dose d'amour? La dose d'amour? C'est parce que je le faisais pour Vert-Pomme. Je vais me marier avec Vert-Pomme. Marie devient pyromane. Je l'ai peut-être fait un peu trop chaud. Oh, regardez des étoiles qui sortent du curry. Moi, je mets toujours... Je mets des paillettes dans ma vie, moi. Dans mon curry, il y a des paillettes. Des paillettes, pardon. Regardez-moi ça. Je sais pas par quel miracle il l'a bouffé, mais il l'a bouffé. Hein. Il l'a bouffé. Alors,
Go approuvé par Crémy. Quoi, c'est qu'une médaille... C'est une médaille de bronze, ça? Ça, c'est une médaille de bronze? Alors qu'il y avait des étoiles? Je veux des moulures. Non mais je vais y aller. Je vais non mais là ça devient là mais vous mais what? What the fuck? Le Noël, merci beaucoup. J'ai pas les mots. Je n'ai plus les mots. Donnez-moi des mots. Donnez-moi what the fuck. Merci beaucoup. Oh là là mais what the fuck mais... Il en fait 21 parce que Happy Nightmare en avait fait... j'arrive plus à parler. Parce que Happy Nightmare en avait fait 20. Du coup, il en fait 21. Je pense que c'est pour ça, sinon rien à voir. Sinon absolument rien à voir. Mais what the fuck? Bienvenue à RTFR, à Candy, à Hey Galaxy 3M, à Licornette, à Ready Lovi, à Slayer, à DSM Michael, à Ragzaj... à Rags... à... je la refais. À Rajagza... Hattori, Nosika, Neko, Lisa, Lucario, Octocat, Shinimingi, Ashdast, Jules, Sarah, Diamonds, Mais what the fuck? Mais au secours! What the... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que... Quelle mouche vous a piqué? What the fuck? Je pensais que c'était... Mais non, il en a... Mais... Bienvenue, Lisa Licorne Senspai. Quoi? J'arrive plus à descendre le chat. Il y a eu... What? Ils les ont tellement offerts en même temps qu'ils se sont mixés dans le chat. J'ai jamais vu ça, faut que j'en prenne une photo. Ça a tellement été à la seconde près qu'ils se sont mixés dans le chat. Pardon, il y a dû avoir un spam. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il y en a tellement. Il y a tellement... Quoi? Mais... Le Noël et Happy Nightmare. Je vais vous dire un merci mutuellement parce que... Parce que... Je vais devoir dire les deux... Alors attends, là, il va y avoir une liste d'attente incroyable. Regardez vers Pam en attente. Regardez-le, il est mignon. Bienvenue à Basma, Elisa, Exy, Newt Garrix, Zeiss, Kara, Yush... Kuni, Legilimens, Selwyn, Queen Kali, Mr. Poet, Panini, Mélis, Miss Margot, Platinos, Little Moon, Adelaine Fan 3M, Omega Gaming, Suzuya, GTM Luciole, Angle Crystal Fire. Quoi? Angle Crystal Fire, Mad Gore, Areaxia, Verpom s'est barré, il en peut plus. The Temnook, Evil Shadow. J'ai même pas le temps de finir de quoi? Mais... Armo Frozen, Yomaro, Oteria, Melao, j'ai... Les Pokémon ne veulent plus. Gemelia, Docteur Nianpansou. Toutou, Tony le Monde, Ligère, Makuhebi, Lula, Onaria Sakura, Tonino, Mademoiselle, Madame la Mayonnaise, Warden, Lilith, Arliane et Aded. Et pardon, non mais... Je suis obligée de... Arrêtez-le!
Qu'est-ce que se passe-t-il? Que veut... Quoi? Pourquoi? Bonjour. Qu'ai-je fait aujourd'hui? Qu'ai-je fait? C'est le ver pomme du bonheur, c'est ça? Où est-il? Il est encore là-bas. Il est encore là-bas. Bienvenue à Taki, Kamihat, Manga Dream, Musas, Shed, Soulisteri, Kornigan, Seal Dragon, Val du 45, Suyaz, Sajfa, Nounou, Metalikir, Tronche de Cake, Loli Frozen, Napstablock, Skylar Replay, Dracolos, Elidissa, Tadbra et Matt. Bonjour. On en parle? Est-ce qu'on en parle? Salut, j'ai manqué quoi? Pas non, franchement. Tu as manqué? Verpa. Tu as manqué. Il y a eu des choses. Voilà. Toujours plus. Non mais le. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais. Il y a des gens beaucoup trop généreux dans ma communauté. Oups! J'ai oublié. J'ai omis qu'il était en première place. Alors. Il est mignon, vert pomme, mais pour l'instant, non. Marie, ton sub goal. Mais je. Je vais pas l'updater à 1300. Donc on a dépassé les 1200. Dis-moi Marie, même si t'es pas fan des renames, si jamais tu croises un Pokémon qui ressemble à un cochon ou un sanglier, tu penses que tu pourrais le rename Elias? Oh c'est méchant! Oh c'est méchant! C'est méchant. C'est non. Pas de méchant. C'est Magikarp, il a trempette. Oui, mais on en a pour 1000 ans avec Verpomme et Étonnement. On en a pour 1000 ans. Regardez-moi sa tête. T'as combien des modes de livres maintenant? Bah du coup, attends. J'avoue, comme on est passé à plus de 1200, j'ai encore un nouvel émote. Parce que quand je suis passée au-dessus de 1000, j'ai regardé par curiosité et le prochain émote a été à 1200, j'étais là, ok, très bien. Là se termine tout. Et du coup, attends, parce que là, 1200, le prochain... J'en ai encore débloqué un, mais du coup, j'ai trop de place. Alors... Pour un mettre vert pomme, j'avoue qu'il le mérite son émote. Mais la graphiste chez qui je fais les émotes là, c'était sa dernière commande avant janvier. Du coup, je pourrais pas lui dire hey, tu veux rajouter une pomme? Attends, faut réfléchir hein, parce que. Quitte à ce que ce soit un émote temporaire qu'on retire après parce que le délire est passé, mais. Ce vert pomme. Non, mais faudrait qu'on trouve un truc là. Faudrait qu'on trouve un truc. C'est quoi Candine? Ah oui, ça me dit quelque chose, mais. Ah, mais du coup, c'est plante. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Marie cassée, j'avoue. J'avoue, faudrait remettre Marie cassée. Mais qu'est-ce que c'était, Marie cassée? C'était quoi déjà les mots de Marie cassée? C'était moi en mode fantôme? Comment est-ce que je pourrais mettre un mari classé? Faudrait que je mette un émote de moi en mode... Faudrait que je mette un truc comme ça. J'avoue. En vrai, Marie-Dame, au secours. Non. Non. Tu peux le faire toi-même. Bah, c'est compliqué en vrai de faire des émotes. Le seul que j'ai fait moi-même, et encore... Non, c'est même pas moi, c'était Isen qui avait dessiné la patate. Mais j'en ai dessiné aucun moi-même. Parce que c'est... Si, Charlie, c'est moi qui l'ai fait, en vrai. Mais bon. Voilà. Comment dire?
toi avec les mains sur le monde. Ah oui, c'était en comme ça, mais du coup, on voyait pas trop. Vaudrait plus un mari étonné en mode. Je pense. On a un autre là-bas. Bonsoir, on continue de s'entraîner. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une pension! C'est une pension! Un émote cactus. Non, je pense pas que ça ait entre guillemets sa place sur Twitch parce que il y a pas trop de raisons où on pourrait spam un mari cactus. En fait, les émotes, c'est le genre de truc qui sont utilisables. Genre la patate, on l'utilise plus parce que c'était moi sur Fortnite. Le saxo, c'était pareil, c'est quand je faisais la musique du saxophone sur Fortnite. Marie GPS, c'est toujours utile. C'est toujours utile pour parce que j'ai aucun sens de l'orientation. Mais du coup, il y en a tous qui ont une utilité. Un cactus, ça aurait aucune utilité. Merci Piqué YouTube, les gens qui sub, j'espère que c'est leur argent parce que ça fait beaucoup d'un coup, c'est incroyable de donner autant. Le Noël, je connais, c'est quelqu'un qui me suit depuis très très longtemps. Et à moins qu'il se soit fait pirater son compte, mais c'est pas possible parce qu'il vient de dire Marie Cassé, donc c'est clairement lui, enfin, il a les refs. Il est là depuis très longtemps, tapis dans l'ombre, telle une panthère rose. Mais Happy Nightmare est là depuis plus récemment, mais en vrai, je me dis que... Avant, j'étais toujours parano. J'étais toujours une parano et pessimiste quand quelqu'un me faisait un don ou me giftait quelque chose et tout. Je me disais toujours, c'est faux, c'est pas possible, on peut pas me donner autant de choses d'un coup. Ça veut dire qu'ils vont me le reprendre après, forcément. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça n'arrivait quasiment jamais. J'ai pas envie de partir défaitiste comme ça et que si quelqu'un est vraiment généreux et gentil, me dire directement « Ouais, mais c'est... À mon avis, c'est fait pirater son compte ou un truc comme ça, ou c'est parce qu'il est malveillant, machin, machin. » Non, je veux pas penser ça des gens. Je veux me dire que c'est des gens vraiment super gentils et généreux. Et si jamais... au final c'était des gens qui se sont fait pirater leur compte et que les subs se font annuler, bah c'est pas grave, mais ça m'est pas encore arrivé et en soi je préfère penser ultra positif jusqu'à ce que ça arrive plutôt que d'être pessimiste et d'être en mode ouais mais ça va, enfin voilà, ça se trouve ils vont rembourser, ils vont machin, ils vont bidule, parce que sinon je serais pessimiste à propos de tout et je serais jamais vraiment heureuse de la générosité des gens, donc je suis full positif. Bambidou. Bambidou, qu'est-ce que c'est que ça? Le Bambidou. Oh, c'est la Bambidou! Ah, Bambidou! C'est un ancien Pokémon, mais du coup, je l'avais pas en français, celui-là. Il a les refs! Là, les anciens ont tous compris, et il y a des autres qui ont dit quoi? Pourquoi tirer du bas, il donne 5-11? Pardon? Je vais remettre les paliers progressivement après Animal. Je vais pas tous les remettre parce qu'il y en avait trop. Mais Kat a déjà remis la unicorn. Mais c'est pour l'instant, ça fait rien. Ça fait juste la musique. Mais du coup, en vrai, celui-là, il était sympa aussi. Salut Outsize! Petit message juste pour savoir si tu vas sortir des nouveaux designs sur ta boutique si je passe ma commande maintenant. C'est possible. En vrai, peut-être attends un tout petit peu. C'est possible qu'il y ait 2-3 trucs qui sortent pour Noël. Pas sûr à 100% parce que c'est des trucs qui devaient sortir en septembre, mais je vais peut-être mettre ces trucs-là en pause parce que clairement on s'en sort pas avec ça et sortir un ou deux petits designs pour décembre. Yes! Dans le doute. Tada! Bon, je fais tada depuis tout à l'heure, mais enfin vous avez compris. Mais oui, peut-être attendre une ou deux, un ou deux jours. Quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un canard artichaut? Mais il est grave stylé comme ça! Regardez comme il est badass de ouf! Regardez-moi cette tête! Regardez-moi ce sourcil prononcé d'un canard énervé! Ce sourcil, allô, le... On va y arriver. Hey, le sourcil prononcé. Oh, y'a chat qui nous raide, merci, des bisous chat. Comment vas-tu?
Comment vas-tu? Merci beaucoup. Ils m'ont vu arriver, ils sont arrivés, ils m'ont entendu dire ce sourcil pendant 3 secondes. Pendant une minute, au secours. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas. Bonjour à vous! Bonjour à vous! Oui, Firetext, t'as vu, ça a marché le unicorn! Le 4.20, peut-être, peut-être, mais on verra, parce que ça faisait quand même un peu peur aux gens, on va voir! Et ensuite, Pika YouTube a dit, j'ai juste un peu, moi je me suis fait pirater ma carte, c'était vraiment la merde, mais t'as raison, il faut positiver. Je préfère positiver! Je préfère positiver dans la vie, parce que être négatif pour rien, c'est... J'ai pas envie d'être négatif pour rien. J'ai pas envie. Honnêtement... C'est... Je suis déjà négative sur beaucoup trop de choses. Du coup, je préfère être positive et penser que les gens sont généreux plutôt que direct me dire « Oh mais non, si ça se trouve !» Non, parce que sinon je serais négative sur tout. Je serais négative sur tout. Qu'est-ce que c'est qu'un raid? C'est-à-dire que Chat, c'est une autre streameuse. Et elle a fini son live et elle a dit « Tiens, moi et mes viewers, on va aller chez Marie et on va voir ce qu'elle fait et je vais essayer de faire découvrir des Marie à des gens potentiellement. » Et du coup, elle a raid avec les gens de son live et ils sont allés chez moi. Voilà. J'avais fait ça, non j'avais pas fait ça avec elle, je l'avais host parce que j'avais pas vu à temps qu'elle était en live. Et du coup voilà, c'est ça un raid. C'est ça un raid et c'est trop bien. T'as fait quoi? T'as fait du Spyro? Moi je suis toujours à fond sur ce jeu. Regardez-moi ce sourcil prononcé! Il est magnifique, mais c'est pas un canard-tichot normal ça. Il s'agit de la forme de galard de canard-tichot, c'est un guerrier courageux qui brandit un large et un pommeau de poireau. Bah yes. C'est un canard-tichot de type combat. C'est incroyable, il est magnifique. Il est incroyable. Du coup, oui, bienvenue à ceux qui arrivent, bienvenue à ceux qui sont restés, du coup. Enchantée. Moi, c'est Marie, je suis... alors, attends, comment je me présente sans me dénigrer? Je suis quelqu'un de gentil, avec une très bonne communauté. Je joue en ce moment à Luigi's Mansion et à Pokémon. Mon Pokémon préféré, c'est Wildlord. Ce n'est pas une blague. Attends, il y avait une Pokéball là-bas. Et je suis sympa, mon humour est beaucoup basé sur l'autodérision, mais je m'aime quand même, vite fait, à l'intérieur. Vite fait. Attends, je suis gentille, je suis sympa, et je suis... J'ai un beau chien, regardez, vous pouvez voir sa tête. Hein, Wilson? C'est un beau chien-chien? Montre quelque chose de beau à la caméra, un peu, là. Non? Il dort. Bon, il a au moins l'extrême obligeance de vous montrer sa tête. Alors! Une carapace dure qui permet au porteur de le retirer même s'il a fait... Hein. D'accord. Pourquoi pas. Hollow Knight. Oh mon dieu, ce jeu. Oh mon dieu, ce jeu. T'en es au stade où ça commence à devenir ultra dur pendant que tu passes 8 ans sur un boss ou toujours pas? Courage, en tout cas. Oui, donc la pension! Enchantée, bienvenue à la garderie Pokémon. Nous nous occupons de Pokémon, Si on laisse deux, il sait pas que vous trouviez un œuf. Oui. Sais-tu utiliser nos services? Oui, mais 3 secondes. Attends une minute. N'hésite pas à revenir. Parce qu'il me semble que dans Let's Go Evoli et Pikachu, il n'y avait pas, cette possibilité de. Qu'est-ce que c'est que ça? De déposer des Pokémon. Je pense. Cette communauté en offre des subs toutes les 2 minutes. Disons qu'il y a des Pères Noël généreux qui de temps en temps apparaissent et disparaissent, et rapparaissent et disparaissent. Et ceci a été un petit stream de type Noël. Toujours pas, je me perds si souvent. Je te comprends. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Bonjour. Regarde, un Toxizap! J'avais un œuf. Un Toxizap en est sorti. Prends-le! Quoi? Bah écoute. Eh ben. Alors, Toxizap obtenu. Les données du Toxizap ont été ajoutées au Pokédex. Pokémon Poupon, électrique poison. Sa peau secrète des toxines accumulées dans sa poche de poison interne. Quand on le touche, on se fait électrocuter. Ah! Eh ben écoute, tu vas aller loin de moi. On est d'accord que c'était pas une génération précédente, ça? On est d'accord. Oui, mais il y avait une pension, mais je pensais pas qu'on pouvait avoir des œufs aussi. Non, il me semble... Ok, bah merci pour le... Je t'offre ça avec. Bah merci mon gars, c'est super sympa. Je suis juste une meuf que t'as croisée dans la rue. Franchement, ça fait plaisir. Ok, on trouve des œufs à la garderie de mon expérience pendant le raid Dynamax. Ok. Oh, les gens de chez Chat, si vous ne suivez pas Pokémon... Regardez, vous étiez pas là du coup au début de mon live. Est-ce que vous voulez voir, si vous avez pas encore vu... si vous avez pas joué à Pokémon Sword and Shield... Le plus beau
Pokémon, je l'ai découvert aujourd'hui. Vous allez craquer. Il s'appelle Verpomp. Il est de type plante et dragon. Ça n'a aucun sens. Et apparemment, en plus il évolue. Alors apparemment, donc je me suis mini spoil en regardant le chat qu'il évoluait pas avec les niveaux. Du coup, je vais rigoler. Il est beau, je suis in love, je l'ai vu, j'ai fait je le veux, je l'ai tué. Du coup, je suis restée une demi-heure voilà. Bonjour, qu'est-ce qui t'intéresse là? Ok. Très bien. Donc, j'imagine qu'il va y avoir des j'imagine qu'il va y avoir des Pokémon sauvages. Oui, merci Marie. J'imagine qu'il va y avoir des métamorphes, du coup. S'il y a une possible... Oh non. Oh non. Que vous avez vu ce que j'ai vu. Vous avez vu ce que j'ai vu. D'ailleurs, ça fait 45 minutes YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode 8 de Pokémon Sword and Shield. Non, Sword tout court. Je fais pas les deux en même temps, je fais toujours que Sword. On va se retrouver pour l'épisode d'après pour aller battre ça là. À tout de suite. Non, à demain. Non, à dans quelques jours, je sais pas.